Europe 1 Bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, la une ce matin, la mission commando. Quelles sont fortes les attentes autour des Bleus du rugby moribond ces dernières années. Tout à l'heure, 9h30, Jacques Brunel, sélectionneur fraîchement intronisé, va dévoiler sa première équipe. Les joueurs appelés à affronter l'Irlande samedi au Stade de France, lever le rideau d'un tournoi à destination, au cours desquels les Français vont tenter de récupérer un peu de confiance et pourquoi pas le cœur des supporters. Premier grand choix de Brunel, changement complet aux deux postes clés, demi de mêlée, demi d'ouverture. Maxime Machenot, 29 ans, 31 sélections, devrait être associé à Mathieu Jalibert, 19 ans, aucune sélection. Écoutez Machenot qui parle justement de Jalibert et de sa jeunesse. Il n'a pas l'air de se poser 10 000 questions et ce qu'on lui demande c'est d'être au niveau qu'il est tous les week-ends avec Bordeaux pour qu'il apporte quelque chose à l'équipe de France. Et s'il est là, c'est qu'il le mérite. À nous les anciens de aussi le mettre en confiance, mais c'est quelqu'un qui a les épaules en tout cas pour supporter ça. Annonce de l'équipe tout à l'heure à 9h30, match samedi 17h45 au Stade de France. Le mot sport du jour. Revanche, les footballeurs monégasques tenteront de prendre leur revanche sur les Parisiens en Coupe de la Ligue. Rendez-vous le 31 mars à Bordeaux pour la finale. PSG Monaco, même affiche que la saison passée, les Parisiens avaient gagné 4-1. Hier, les Monégasques ont éliminé les Montpelliérains 2-0 en demi-finale, match à l'issue duquel l'Italien de Monaco, Andrea Raggi, avait déjà ce mot « revanche » à la bouche. Oui, c'est la revanche. On savait que ça va être un match très costaud. On va tout donner pour essayer de gagner. Et dans ce moment, Paris, il est très très costaud, mais la finale, c'est la finale. Il faut jouer les foot aussi, mais ça compte aussi des autres choses. Le marché des transferts est clos. Le bleu Olivier Giroud passe d'Arsenal à Chelsea contre une vingtaine de millions d'euros. Arsenal achète 68 millions d'euros à Dortmund. Le buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Au PSG, le Brésilien Lucas part à Tottenham. Tony Chaperon, l'arbitre tacleur, comparé ce soir devant la commission de discipline de la Ligue. Après son geste, vu sur toutes les télés du monde, une tentative de croche-patte sur un joueur, c'était à Nantes le 14 janvier. Déjà suspendu à titre conservatoire, il pourrait être interdit d'arbitrer pour plusieurs mois encore. Cela précipiterait sa fin de carrière. Lui qui, à 45 ans, avait décidé d'arrêter en fin de saison. Et puis le quasi-exploit des Bleus à l'Euro de futsal en Slovénie. Premier match et 4 partout hier face aux Espagnols, tenant du titre. Première fois que les Français disputent une grande compétition. Eux qui sont amateurs. L'histoire du jour. C'est pour l'heure l'unique cas avéré en France de dopage technologique dans le cyclisme. Vous savez, l'usage des moteurs dans le vélo. Ce coureur amateur de 43 ans, pris en flagrant délit lors d'une petite course en Dordogne, vient d'être suspendu, interdit de compétition 5 ans par la Fédération française. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Europe 1.